4-4, un 4-4, pas de boîte à sardines. Oh, Sophie est toujours aussi belle, toujours aussi coquine. Et puis là, la tradition du chardonnay, alors là, c'est la culture du Sud. C'est le vin, c'est le chant du Sud, n'est-ce pas? Faut pas hésiter. C'est la communication autour du verre et de l'amitié. Et puis le soleil qui est là, qui vous écrase de soleil, vous écrase de chaleur, mais il fait toujours plus que 37,2 ici. Nombre de films qui, lorsqu'ils sont sortis, ont été considérés comme des films, je dirais pas de bas de gamme, mais presque, après se sont avérés être des chefs-d'œuvre, soi-disant. Trop court, on aimerait recommencer. C'était une belle aventure, une belle amitié entre Jean-Paul, Jacques et tous les comédiens avec qui il travaille. Dans tout ça, il y a une trame quand même. Je le remercie de m'avoir pris parce que c'est un peu notre histoire qui raconte à travers ça. Un souvenir vraiment agréable, des amis ensemble qui ont tourné leurs petits films, qui se sont amusés, on a beaucoup ri, donc vraiment une expérience à renouveler, franchement. J'étais très étonné de voir que j'étais capable de tenir un petit rôle dans Coup de Soleil, je me croyais absolument nul et tout le monde m'a dit « mais t'étais pas mal, ça pouvait aller ». Un film est toujours le reflet d'une époque, donc obligatoirement dans 20 ans, il aura des petits éléments qui feront retrouver cette époque et il aura une valeur supplémentaire. Donc c'est un film sans budget, donc on y a tous mis du cœur, du temps. Donc sans argent on peut faire des choses, mais c'est très très difficile. Et vu le peu de moyens qu'il y avait, Stéphane et son équipe sont arrivés à sortir, pas un chef-d'œuvre, mais quelque chose de beau. Je pense qu'un film vieillit bien, toujours. Oui. Et ma référence étant quand même Capriolus, qui est un film extraordinaire. Je l'ai regardé au moins 4 ou 5 fois en direct sur YouTube, là, et ça m'a fait grand plaisir. Et j'ai même regardé un autre film qu'un dénommé Stéphane Co, je sais pas quoi, a fait sur un guerrier. Donc, si vous achetez le DVD, eh bien, vous allez nous aider à participer au prochain film, un rue du Cossanel, un thriller. Plein de suspense, une ambiance glauque avec des super acteurs et un super réalisateur, Stéphane Kowalczyk. Là, le second va prendre le temps de le faire. Hein. Oui, il y a une histoire de cochon. Hein. Ah, il y a une histoire Il y a une histoire de cochon, mais pas une histoire cochonne. J'ai un rôle quand même qui me tient à cœur, c'est que ce rôle me rappellera beaucoup pour l'enfance, puisque je suis tueur de cochon. Et ça, c'est très particulier. Il faut savoir le faire.